Salut Station Fréquence, et bien ce 13 c'est quant à vous tous de la part de Dandy 33. Alors on est le vendredi 28 octobre 2016 et c'est parti pour le QSO national du canal 27. Ok Florian, ah je m'y perds là. Zut, j'ai pas eu le temps de lancer le fichier. Attends, deux secondes, je relâche le micro. Oui, c'est Florian le 15-5. Le 15-5, mais là je suis pas monté à la familiale, je suis au cura pro à Bordeaux, qui est de Brazan. Ok, bah ça passe bien de mon côté là. Hein. Ah oui, d'accord. Bon, le signal est pas épais. Par contre, la radio est bonne. Hein. Là, c'est une bonne radio de 5, là, de mon côté. Hein. Ok, mais pour une fois que je peux t'entendre, ça fait plaisir. Les mots se sentent très bien, et puis, je sais pas, je laisse la parole. S'il y a du monde là. Bon, là, on commence juste. Hein. Il est tout juste à 21h, donc là, c'est un petit peu diesel, quoi. Ok, ça marche. Eh bien, attends, Florian Luculuc, hein, c'est ça? Oui, affirmative. Ok, maintenant je te reconnais mieux, il n'y a pas de problème. Sauf que là, je ne suis pas au cœur familial, je suis au cœur pro. Wow. Ok, ben moi, c'est demain en journée moi, que je serai au pro à Chi. Ouais, ouais, non, mais disons pas plus, j'ai bien compris. Non, moi, pour moi, c'est négatif, c'est pas possible. Ok, pas de problème, Rémi, j'écoute, certains qui se manifestent. Ok, ça marche. Alors, les stations en fréquence pour le QSO national du canal 27 en avant. Excellent, excellent, excellent. Des 73 Thierry. Ah, j'aime ça, moi, il arrivait comme ça. Quoi. Voilà, voilà. Walkie, je ne sais pas ce qu'il y a de mon côté. Là, j'étais en train de parler avec des stations de concurrents. Ça passait bien des vues. Et plus rien, impossible à les entendre. Oh là là, la propagande, je ne sais pas ce qu'il y a ce soir. C'est le bordel, le bordel. Ah oui? J'ai pas tout compris, moi, là. Cet après-midi, oui, j'avais en AM, là, sur le canal 6 AM, les Américains qui passaient. Je me suis dit, putain, ça, c'est un très bon signe pour la propagivère. Et puis après, là, à l'instant, je me suis même demandé si la station n'était pas débranchée, là, sur le coup. Hein. Ah, non, mais moi, j'étais en train de parler avec Jeannot de Cocumont, là. Tu l'as déjà entendu, il est déjà venu, là, Jeannot de Cocumont. Je l'entends à l'habitude, nickel, radio, hyper forte, tout bordel. Ça a commencé au début, j'ai dit, c'est assez caché, Jeannot, il n'arrivait qu'à 55. Et d'un seul coup, descendu, je l'entends plus. Et là, j'étais il y a même pas une minute ou deux, là, avec eux. Et je me suis barré, je les entends plus. Ouais, ben ça m'étonne pas parce que là j'ai zéro QRM. C'est vrai, je me suis demandé là par rapport à ce que j'ai entendu là cet après-midi, hein, je me suis demandé si j'avais pas un souci au niveau de la station. Rien pour une fois que j'ai pas un QRM. Alors là, dans le QSO, on a Florian Luculuc. Voilà, là qui ce coup-ci arrive à passer là de notre côté. Il n'est pas à son QRA familial, mais à son QRA pro.
Retour à toi, Luc Luc, pour voir si tu entends Thierry. Ok Thierry, tu réussis à l'entendre? Ouais, non, j'ai entendu son bip derrière. Voilà, ouais, 73 à 8. Mais c'est qui Florian qu'on connaît Florian, lui qui est, que je ne connais pas celui-là. C'est pas Florian Chameau, il a changé de nom ou quoi? Non, lui il est de Quinsac. Quinsac, si je me trompe pas, c'est au sud-est de chez Eric. On ne l'entend jamais en principe de l'autre côté. Et là, il est du côté, il est sur les quais de Bordeaux. Là. Ah, ok. Non, mais je ne l'entends pas. Ouais, parce qu'il faut une belle équipe. Alors, Florian, Lucky Luke, et l'autre, Florian, le chameau. Ah, mais c'est bon, il y a le bonhomme et le cheval, et le chameau. Oh là là. Ah, bientôt, il y aura les Dalton. Ouais, et t'oublies encore un Florian à Coutras. Voilà, qu'on n'entend pas souvent, mais qu'on a déjà eu dans le QSO. Alors, c'est pas Florian de Coutras, c'est Florent de Galgon. Oui, non, mais il y a Florent de Galgon, et il y a aussi un Florian sur Coutras, Hachi. Ah, ok, pardon, je connais pas, non, je connais Florent de Galgon, qui est deux, trois fois à la maison, là, ouais. Alors, mais je connais pas tout le monde. Ouais, alors son QRZ local, c'est Flo33. Sur Facebook, Florian coupé en deux. Flo d'un côté, Rian de l'autre. Tu l'as peut-être déjà vu passer sur Facebook. Peut-être, voilà. Bon, mais c'est pas grave. Hein. Voilà. Putain, mais là, c'est bizarre ce soir, la propagande. Oh là là, c'est bizarre, ouais. Accusé, j'ai un cocument, je l'entends bien. Et là, tout le monde, accusé, c'est tombé, à bien. J'ai laissé un blanc pour voir, apparemment non. Non, je ne l'ai pas encore entendu. Oui, c'est. Ouais, comme je disais tout à l'heure, c'est d'autant plus bizarre que je vois cet après-midi, putain, ça passait à fond là de tous les côtés, et surtout on la aime, là avec les États-Unis, tout ça. Hein. Et puis là, paf, plus rien. Bon, j'avais monté le squatch là durant le gastro solide. Hein. Donc là, j'entendais rien, c'était normal, hachi. Et putain, j'enlève le squatch, j'écoute, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais sur d'autres fréquences, rien. Je navigue un peu, tu sais, à droite à gauche, rien. Je dis putain, sur le coup, je croyais que j'avais un souci. Et puis je vois, bon, c'est bon, tu m'arrives comme d'habitude avec un bon Satego 9. Ouais, non, mais c'est pareil, c'est pour ça qu'avec Jeannot, là, on était en train de se parler au début, et ça baissait. Elle dit, ouais, Coyote, je t'entends moins fort que d'habitude. Alors je regarde, en plus, je dois être en horizontal. Mais non, je regarde bien, je suis en vertical. C'est la propague, et voilà, la radio c'est comme ça, hein. Voilà, mais c'est de mon côté, hein. Ce soir, là, c'est pas la peine, enfin, c'est pas la peine, on verra bien si après, peut-être sur Pokémon ça passe pas, mais peut-être ailleurs ça passera, on sait jamais, voilà, je croyais que j'étais en horizontal, c'est pour ça, je dis, hein. C'est assez bizarre, hein. L'habitude m'arrive plus fort que ça, et voilà, et lui c'est pareil, bon, pourtant, je dis, moi j'ai pas, et je regarde bien, je suis bien en vertical, et voilà, je suis bien en vertical, hein. Bon, mais c'est comme ça, voilà, on peut pas, ah, merde, hein. Comment dire, à chaque fois que ça marche impeccable, hein. Là, on verra bien quand il y a l'autre qui arrive, on verra si c'est pareil pour les autres, hein. Ouais, affirmatif, ouais, y a pas de problème. Et au fait, tes aériens, tu les as remontés ou t'as fait quelque chose puisque y a pas longtemps, je suis passé sur le pont vitré. Hein, tu vois lequel je veux parler, là, j'avais affaire là de ce côté-là, là par là-bas.
Je passe sur le pont, là, tout vitré, là, de chaque côté, puis je regarde sur la droite, je me dis, putain, j'ai les antennes là-bas, c'est bon, je sais qui c'est. Hachi, là, t'as mis un pylône, t'as fait quelque chose? Mais tu verras, je t'ai dit rien, quand tu passeras devant la maison, tu vas voir ce que c'est, oui, tu vois, j'ai mis la directive de 4 éléments, j'ai mis l'antenne Scooby-Doo par-dessus, j'ai toujours l'IMAX qui est à côté, voilà, mais là, il y en a une, deux, trois, quatre, plus la bazooka qui est à côté, là, enfin, quatre antennes. Oh la vache! Ah oui, d'accord. Peut-être tu fais pas semblant, toi. Ah non, non, ben, en plus, je vais en avoir une autre, là, je vais avoir une cinquième antenne. Hein. Je vais en avoir une autre. C'est 7, plus de 7,80 m. Ouais, d'accord, ça c'est pour faire de l'écoute sur d'autres bandes. Oui, c'est pas pour voilà, pas pour moduler avec. Oh, ouais, bah oui, vu la longueur que tu m'annonces, ouais, effectivement. Hein. Bon alors, Thierry, non, Eric, tiens, est-ce que tu es des nôtres? Ah, attention les stations en fréquence pour le QSO national du Cal 27, en avant. Ah bon, il n'y a pas un truc particulier ce soir à la télé? Non, mais je suis sûr que ça vient de la propague, hein. Ça doit être dans notre secteur où ça merde. Ah ouais, attends, hein. Moi j'étais sur notre fréquence là et je me suis dit, ça passait pas. Et j'entendais qu'aucune autre, on inclut d'un seul coup, bio, et je sais pas, il faut le sortir dehors pour assurer une soucoupe volante qui survole la région. Ouais, ou alors il y a quelqu'un qui a sorti les fusibles, ce qui fait que du coup, on n'a plus rien, quoi. Non, mais c'est la propagande qui fait ça. Attends, je sais bien. On verra bien si arrête du monde. Voilà. Bon, les Bordelais, là, vous m'entendez pas? Oh, qu'est-ce que c'est, bon, les Bordelais, là? Oh là! On arrive. Les 73 à toi, Ludovic. Ouais, va falloir ramener du monde de ce côté-ci, les remotiver. Pendant un temps, c'est vrai qu'on était pas mal. Je sais pas si Michel sera des nôtres ce soir. Bon, on verra bien. De toute façon, la porte est grande ouverte. Il n'y a pas de souci. Elle n'a jamais été fermée pour qui que ce soit. Les 73, Ludovic, comment vas-tu? Ouais, c'est du 52-53 de mon côté là.
Imagine, un pylône de 20 mètres sur le dessus de l'immeuble. Oh putain, il va nous casser les oreilles. Ah, la surprise, Ligo, tu savais pas ce que c'était. Ah, ben enfin, tu le diras pas, tu le diras pas. Il a mis deux antennes, c'est deux petites antennes qui vibrent, tu vois ce que je veux dire. Je vais pas le dire à la radio comme ça, parce que c'est là qu'il coûte, on vient de le dire à chaque fois. Deux petites antennes qui vibrent avec des piles. On verra bien si ça marche. Ah oui, je vois. Non, mais c'est vrai, il a mis 20 mètres de pylône sur le bâtiment. 30 mètres, pas 20 mètres. Ouais, non, mais t'es plus à 10 mètres près, là, après. Hein. Oh, et je crois même que c'est 50 mètres. Hein. Mais il hésitait entre 50 et 60. Ouais, bon, qui peut le moins, un peu le plus, hein. Ouais, ça doit être 60. Hein. Et à la fin du cuisson, on va monter à 200 mètres. Et vous avez fini de vous foutre de moi, là. C'est vrai. Hey, on te parle, on te dit 20 mètres, après 30, 50, 60, jusqu'à 10 heures, on arrivera à 200 mètres. Ça va. Non, c'était possible, un pylône, hein. c'est pas déconnant, hein. 20 mètres de pylône sur un immeuble, pourquoi pas, ça peut être sympa. Hein. Moi, j'ai déjà vu ça sur des gendarmeries ou des casernes de pompiers. Hein. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, mais lui, il habite pas une gendarmerie ni une caverne de pompiers. Si tu vois où c'est qu'il habite, s'il met un pylône de 20 mètres sur le toit, je pense qu'il y aura bordel. Ouais, j'ai vu la gueule de l'immeuble sur Street View, c'est pas mal. Effectivement, ça m'étonnait, mais bon, c'est jamais. Bon, ok, bah écoute, le mystère est entier, j'espère qu'il va débarquer pour me dire tout ça. Oh, mais il te le dira ce qu'il a installé, ouais, il te le dira. Ah tiens, j'espère que j'ai surmodulé personne. Ok, c'est bon. Ludovic, tiens, de ton côté, sur les quais de Bordeaux, tu as Florian Luculuc de Quinsac. Il est en ce moment là en déplacement là sur les quais de Bordeaux. Là, tu devrais pouvoir l'entendre. Retour à toi, Florian. Tu m'allumes toutes les loupiottes là. C'est comme quand Eric parle, il n'y a pas assez de bûchettes sur le TX pour afficher le ciel. Donc bon, le report est vite fait. Hein, c'est un 9+30, il n'y a pas de souci. Donc ça passe très bien. Retour à toi. Ok, il n'y a pas de souci. Toujours le Superstar 3009, il n'y a pas de souci. C'est le matériel de cuirance familiale. Avec l'antenne de cuirance familiale, c'est-à-dire une filaire enlevée inversée à 10 mètres du sol. Donc voilà, c'est cool. T'as bien de la chance de pouvoir moduler au travail, hein. Moi c'est vrai que j'aimerais bien. Ça m'est arrivé d'emmener quelquefois une petite clé SDR pour écouter voilà, les bandes de fréquence, mais bon je peux pas déployer non plus un fil de 10 mètres pour écouter les bandes qui m'intéressent. Donc bon, voilà, c'est plus limité, mais bon voilà, t'as bien de la chance, écoute, c'est parfait. Et ben, merci de ta présence au QSO, c'est sympa. Ok. Ok, bah y'a pas de soucis, bah écoute, n'hésite pas à te manifester, voilà. Allez, j'en passe le micro à Thierry. Justement, là, Thierry vient de me dire à l'instant qu'il tue Rix, là, quelques secondes. Alors, Ludovic, qu'est-ce que t'as fait de beau, là, cette semaine? Est-ce que t'as bidouillé? Soit au niveau de la station, soit au niveau du cuira. Le placo, non, je sais plus, ou la peinture. Ah ouais, j'ai pas mal bidouillé, ouais, cette semaine, je vais essayer dans le cuira, là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai poncé toutes les bandes à joint, tout ça, c'est prêt à peindre, mais il faut encore que je fasse le plafond avant tout ça. Je colle, en fait, c'est un petit truc de fortune pour améliorer l'isolation. Pas trop cher, je colle des plaques de polystyrène extrudées. Alors, c'est des plaques de polystyrène assez denses, on appelait ça du stérodur à une époque, il y a longtemps.
qui sert normalement, donc ce polystyrène, ça sert en principe à mettre sous les chapes de béton, donc au sol, hein, pour faire une isolation du sol. Donc moi je colle ça au plafond, avec quelques vis pour les sécuriser, et après bah, par là-dessus, je vais mettre soit des dalles de polystyrène pour couvrir, soit je cherche encore un revêtement à mettre dessus. Mais voilà, donc je renforce l'isolation du toit, et puis bah, après bah, je pense qu'on va attaquer le parquet, la peinture, tout ça, et puis voilà, mais pas de bidouille côté TX, côté radio, pardon, voilà, à venir une petite surprise aussi sur le toit du mobile, mais bon, voilà, tu te doutes bien de ce que c'est. Oh oui. En magnétique ou perçage? En magnétique et les trois rondelles. t'es retourné au magasin alors? Ah non, je fais ça en ligne, c'est plus facile. Mais bon, c'est à faire attendre un petit peu parce que la livraison est pas rapide. Ah, tu l'as commandé? Et côté antenne, tu l'as commandé aussi? J'ai eu au téléphone ce matin parce qu'ils en avaient reçu une qui était pas conforme. Enfin, c'est pas conforme, c'est parce que je voulais, tu sais, c'était la même chose que Pascal avec le camouflage. Donc bon, j'ai dit non, moi ça va, merci. Donc ça va arriver doucement. Ok, d'accord. Et ouais, donc là tu prends la tripode, hein, plus la Serio Performer 5000, hein, c'est ça, hein? C'est la même. Ok, bah c'est vrai que ça marche bien, hein. Là je la connais pas trop, mais apparemment elle a l'air de fonctionner aussi bien, peut-être mieux ou pareil que la Santiago 1200, quoi. Bah écoute, je te dirais ça, c'est 3 cm de plus je crois, si je me souviens bien, par rapport à la Santiago, mais c'est voilà. Donc bon, pas grande différence, mais bon, on verra bien ce que ça donne, écoute, hein, quand j'aurai l'occasion de te faire entendre ça. Ouais, 3 cm, je suis pas sûr que ça change grand chose. Après, c'est au niveau de la self, il faudrait voir comment ce que ça donne, quoi. Là, moi, je connais rien là-dedans pour pouvoir m'avancer sur quoi que ce soit, jusqu'à te dire des conneries, quoi. Alors, je préfère pas. Mais bon, ce qui serait intéressant, c'est de faire un test entre les deux. Bah tiens, à l'occasion, faudrait que je charge, parce que j'en ai une, là, dans un coin, là, une Santiago 1200. Il faudrait que je la charge dans le push. Et à l'occasion d'un visu, t'as qu'on fasse comme ça, vite fait, là, dans la foulée, un test entre les deux antennes, quoi. Et tu demandes à une femme, tu dis, ah bah, tu trouves la différence, petit test comme ça, ça me plaît, hein, donc il n'y a pas de souci. Hein. Bah, écoute, je te tiens au courant. Là, t'as raté une occasion de donner le micro à Thierry quand t'as parlé de 2-3 cm. Allez, je savais. Je pense que Thierry, là, il se mange les doigts, il a envie de faire une blague. C'est fait. T'inquiète pas, Julie, quand tu parlais. Ah là là, ça m'étonne pas. Je te répète, j'ai dit 3 cm, tu demandes à une femme, on va trouver la différence. Ah, c'est clair. Bravo, bravo, c'est du grand Thierry, moi j'aime bien. Ok, non mais oui, pas de soucis Rémi, hein, pour faire des tests, hein, voilà, moi je suis volontaire. Ça pourrait m'amuser, on pourrait même faire la comparaison avec la ML145 à côté, du coup, parce que je la garde, hein, pour voir aussi la différence entre avec une antenne, on va dire, milieu de gamme, enfin, comme disait le gars de Radio One, il disait c'est le compromis entre un truc qui marche bien et un truc qui marche pas, quoi. Ouais, bah oui, parce que déjà, je vois entre une ML145 qui, c'est vrai, quand tu regardes le prix, c'est vraiment pas cher du tout, donc, et pourtant elle est très connue, et une Santiago 600 qui fait quoi, qui fait 1m50, ben la Santiago 600 arrive encore à être meilleure. Alors là, en plus, avec la 5000, putain, je te dis pas la différence, là tu passes d'une départementale à une autoroute, là, pour le coup. Ah bah ça va pas être ça, alors.
que j'attends surtout de voir, c'est la bande passante de la bande passante, tu vois, parce que la ML 145, bon, je l'ai accordée sur le canal 20, quoi, comme on fait habituellement, tu vois, en milieu de bande. Et par contre, le taux se remonte assez vite quand même dès que tu passes une fois dessus ou une fois dessous. Ça monte assez vite, donc j'attends de voir aussi de ce côté-là si c'est si le taux se remonte moins vite pour voir ce que ça donne. Voilà, ce que c'est. J'ai cru lire quelque part, ça aurait été bien qu'il y ait Michel dans le QSO là, mais j'ai cru lire quelque part qu'il y avait que la bande passante d'une antenne était pas mal déterminée par le diamètre du fouet, enfin, du bras rayonnant, on va dire. Voilà, ce qui expliquerait que les antennes de fixe, qui sont des gros tubes, ont une bande passante plus large que des antennes de mobile qui sont où c'est un simple fouet en métal qui est assez fin. Bon voilà, ce serait sympa qu'il y ait quelqu'un qui sait ça. Une porteuse. La différence de bande passante par rapport à la ML145. Alors si c'est un peu plus large ou pareil, quoi, tout simplement. Eh ben là, tu viens de répondre à une question que je me posais justement entre la Mantova 8 et la Président Himalaya. La Mantova 8 est en alu, et c'est vrai, quand je vais faire de l'écoute à droite, à gauche, en niveau réception, hein, j'attrape relativement bien. Et la Président Himalaya, qui est en fibre, donc file à l'intérieur, où là, ben, c'est plus du tout la même chose, quoi. Et ben voilà, t'as répondu à une question que je me posais jusqu'à maintenant. Ah ben écoute, je sais pas si c'est vraiment ça voilà l'explication, mais j'avais cru lire ça. Alors après, sur la Mantova, effectivement, moi j'ai constaté que en réception c'est assez large, hein, avec la petite clé SDR, j'attrape très très facilement de 27 à 466 MHz, tu vois, je crois que c'est là le PMR, c'est à 466 il me semble. J'arrive à entendre pas mal de trucs quand même, toute l'aviation, tout ça sur le 130 MHz grosso modo, ça passe très bien aussi. Bon voilà, pourtant c'est pas... Bon après c'est vrai que l'aéroport de Bordeaux est quand même pas très loin, je connais pas la distance des avions, tout ça, donc bon faudrait aussi relativiser par rapport à ce que j'entends, mais les signaux que je peux avoir autour de 400 mégas, aussi bien qu'autour de 27, ils arrivent fort, surtout autour de 27, ils arrivent aussi fort qu'avec le TX, qu'avec la CB, quoi, avec le poste CB, hein, donc je pense que c'est... Elle a une bande passante assez large, bon, bien sûr, je me doute que... C'est bien plus performante sur 27 mégas que sur autre chose. J'irais pas m'amuser à faire de l'émission sur du 400 mégas, bon, si tant est que ce soit autorisé avec cette antenne-là, bien sûr, hein, mais au moins en réception, ça a l'air de passer un peu, quoi, donc c'est